Aujourd'hui, on va vous dire, catholique, t'as dit, nous tous nous sommes des chrétiens, non? Mmh. On s'est réunis au sein de France pour seulement glorifier Dieu. Et on porte des soutards. Quel est Dieu? Quel est Dieu? Quel est Dieu? Dieu, c'est l'évangile éternel. Amen. Amen. Mmh. Quand vous voyez les églises se réunissent, en principe, c'est la maman qui réunit les enfants. Aujourd'hui, soi-disant, les églises sont devenues des réseaux. Vous voyez, les pasteurs des églises, soi-disant, les présidents des pasteurs. Les gens aujourd'hui vont plus loin. Il y a même ici en France, si tu veux approcher dans une église, on peut dire, tu es de quel réseau. Quand ils disent des réseaux comme ça, comprenez, ils sont en train de faire des alliances. Même au travail, aujourd'hui les entreprises sont maintenant conçues par des alliances, par des réseaux, des groupes. Quand vous voyez des groupes, faites attention. Amen. Amen. Des groupes, tout ça possible, ça là annonce que la Babylone est en train de réunir ses enfants. Amen. Et un jour, ils seront tous un. Vous savez pourquoi? Pourquoi ils se réunissent? C'est pour combattre, c'est pour préparer la guerre dans Macédon. Ils sont en train de préparer une guerre contre le Seigneur. Vous savez, mais ici, dans l'évangile, vous écoutez les choses, vous l'avez jamais écouté. Amen. Toutes les unions des présidents, des musiciens, des présidents, des pasteurs, c'est l'écuménisme. Amen. Vous êtes dans les lits de Jézabel. Amen. Vous mangez la même table avec Jézabel. Les prophètes de Baal. Mais c'est la Bible. Il n'y a que les prophètes de Baal qui mangeaient ensemble avec Jézabel. Mais Élie, non. Amen. Amen. Les prophètes de Baal mangeaient toujours avec Jézabel. Mais en mangeant ainsi, ils avaient la mission de tuer tout le juste. Quand ils se réunissent, c'est pour tuer. La persécution va commencer à venir. Parce que quand nous allons commander ces choses, connaître ces choses, ces gens-là sont plus forts dans le monde. Ils n'en font pas. Même pour arrêter Jésus, pour tuer Jésus, l'œuvre c'était quoi? C'était de se réunir. C'est toujours cette union-là qui annonce. Amen. Les pharisiens et les sadducéens ne s'attendaient pas. Mais s'il fallait tuer les justes, ils ont été unis. Ils ont dit, laissez notre doctrine de côté. Attendons d'avoir cet homme-là. Amen. Ne se faites pas catholiques, protestants, les panamistes seront un. L'évangélique et tout ça. Tous les églises qui portent des noms. Toutes les églises qui ont des dénominations. Amen. D'abord parce que dans la Bible, une église ne peut pas porter le nom. Amen. L'église, c'est le pouce d'autrui. Amen. Toi, tu prends le pouce d'autrui, tu donnes ton nom. Elle est polie. L'église porte le nom de l'homme. L'église de Jésus. Amen. Toute église qui porte le nom, ce nom-là, l'apocalypse l'appelle le nom des blasphèmes. Ce sont les filles. Ce sont des filles d'une mère. C'est la maman. La maman a beaucoup d'enfants. Mais comme elle est prostituée, la maman n'a pas un seul mari. Elle a beaucoup de maris. Cette femme-là est bizarre. Elle prend l'homme. Donc, les enfants sont des papiers. Mais les mamans savent que, les enfants savent que notre maman, c'est elle. C'est catholique qui est la maman de tous. Amen. Moi, c'est catholique, c'est elle la Babylone. Amen. Toutes ces églises viennent des catholiques. Amen. Toutes ces églises, excusez-moi les catholiques, excusez-moi. Mais c'est la vérité. Amen. Amen. Toutes ces églises, vous les appelez maison mère. Pourquoi ils disent, moi je retourne à la maison mère. Ils retournent à la Babylone. Tous les systèmes des églises évangéliques là viennent des catholiques. Ils nomment des cardinaux, des titres qui n'ont pas la Bible. Ils nomment des pères jésuites, des titres qu'on ne trouve pas même pas la Bible. Maintenant, cet esprit-là a changé de couleur. Il vient chez le papa Poutino. Amen. Il vient chez le papa Bénin. Lui, il nomme des partenaires. Des partenaires, ça n'existe pas de vrai. Et de maternelle. De maternelle. Maman présidente. Amen. Maman présidente. Maman pasteur. Maman pasteur. Ancien. Amen.
Vous prenez les anciens par rapport à la Bible. Nous, j'aimerais rappeler les idées. Amen. Il y en a même qui disent, moi, je suis archi-bishop. Mais quand vous voyez archi-bishop, vous voyez, c'est moi un ancien. Mais lui, il m'était dit archi. Il dit, je suis plus que, plus que les anciens. Il dit quoi, je suis Jésus. Antichrist. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, quand il dit le bishop, le bishop c'est qui? C'est un évêque. Mais pour être un évêque, il faut voir les critères. Un évêque qui célibataire. Ouais, il faut voir le courage. Moi, je peux pas me dire que je suis évêque. Ici, je dis le bishop, mais non. Jamais. Amen. Un bishop qui n'a pas des enfants. Un bishop qui aujourd'hui il est marié, demain divorcé, demain marié, demain divorcé. Nous allons vous enseigner toutes ces choses-là. Amen. Amen. Quand nous parlons de l'ordre de l'église. Voilà pourquoi il faut voir tous ces esprits. C'est catholique après ce qui est la maman. Toutes ces églises-là, c'est catholique qui donne la naissance. Amen. Amen. Protestant a quitté catholique. Les évangélistes ont quitté protestant. Les baptistes, aujourd'hui, ce sont les églises évangéliques. Amen. Amen. Pourquoi aujourd'hui, vous trouvez un nom, oh, l'église Arche de l'Éternel. C'est comme on dit, l'église catholique. C'est le nom. Une église ne peut pas porter le nom. Quand vous voyez une église porter le nom, comprenez seulement qu'ils ont reçu le vin. De la maman. Mais quand la maman et la fille sont ensemble, frère, dans cela, même la nature nous enseigne, même à la maison, si seulement la maman et la fille commencent à être, si vous voyez seulement la maman et sa fille ensemble, ils sont en train de chercher comment couper la tête du prophète. Il faut faire attention. La complicité entre la maman et la fille, il faut faire attention. Amen. C'est comme nous disons, quand ils se réunissent ensemble, ils cherchent la tête du prophète. Le sacrificateur, le sadicien ne s'attendait pas. Mais pour couper la tête du prophète, ils se sont entendus. Amen. On voit tous les unions là, des communautés, des églises. On vous pose la question, vous faites partie de quelle communauté? Nous, on n'est pas de communauté. Nous, on est l'être. Jamais vous verrez avec ces réunions-là. Oh, il y a les réunions des pasteurs. Ce ne sont pas des réunions des pasteurs. Ce sont des réunions des sadducéens. Amen. Qui cherchent comment tuer Jésus. Jésus-Christ. Amen. Qui cherchent comment crucifier la parole. C'est comme ça que l'Église est venue. Amen. Amen. Qui cherche comment crucifier Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, c'est Jésus-Christ. Ils ont dit. Parce que Hérode cherchait la manière comment tuer Jean-Baptiste. Il ne trouvait pas la manière. Parce que si je le tue, les gens vont me lapider. Il n'y a pas de problème. Quand maintenant il a consulté la fille, parce que la fille a dansé. Ces gens-là dansent devant Hérode. Parce qu'ils ne dansent pas devant le Seigneur. Bébé, il y a le mot. Tonton. Ce n'est pas devant Dieu. C'est devant Pharaon. Parce qu'il fête l'anniversaire. Nous, on ne fête pas l'anniversaire. On fête. Amen. Amen. Monte Ekita. Ekita. Ekiti. Ekiti. Ouais. C'est comme un jour. Nous sommes dans les églises. Nous, entre nous trouvons une fille qui était devant là. On peut se dire, ah, ma soeur, qu'est-ce que tu fais devant l'église? Non, moi, je suis un commando. Dans la fille, on a dit toi tu es commando pour recevoir tous les invités. C'est là qu'on va s'adorer. Amen. Commando. Ouais, des postes de qui n'ont jamais. Commando, commando, commando. Je ne suis pas de ça. Vous voyez des pasteurs aussi qui disent commando. Moi je me dis, mais est-ce que ces gens-là ont laissé les sous? Amen. Impossible, ces gens quand ils dansent. Nous vous ouvrons les yeux, ce n'est pas devant le Seigneur. Amen. C'est devant Hérode. Et souvent quand il danse comme ça, Hérode est content. Hérode leur propose. Demandez-moi tout ce que vous voulez.
Avant qu'il donne ce qu'il veut, il demande, il consulte leur maman. La maman dit, écoute, il y a qui ces personnes qui nous tracassent? L'évangile est en effet, mais l'évangile te va mettre beaucoup de mal à l'aise. Nous allons bouleverser cette vie. Nous vous disons la vérité. Amen. Attendez-vous à la persécution. Amen. 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 Nous allons mettre mal, parce que tous ces gens, c'est qui c'est qu'ils disent. Nous, on les contredise. Frère, aujourd'hui, ils font des réunions. Nous, aujourd'hui, nous décortiquons, nous Dieu qui s'est déroulé. Ils seront là pour nous persécuter. Amen. Il a demandé la tête de celui qui les mettrait mal à l'aise. Il mettait qui mal à l'aise, c'est pas Hérode. Hein? Il mettait Hérode mal à l'aise, mais Hérode disait non, pas de problème. Mais la fille surtout, la femme. C'est la femme, la maman qui n'était pas, la maman voulait se battre, se débarrasser de Jean-Baptiste. Au sûr que cet homme-là, c'est là, moi, parce que cet homme-là est en train, il veut pas que moi sois en contact avec celui-ci. Amen. Il a cherché à couper la tête du prophète. Quand il y a la réunion entre la maman et la fille. Papa, il faut venir, il dit, non, mais j'ai plus cette réunion. La maman et la fille, ce sont les esprits. Quand c'est moi, la maman et la fille commencent à se compter. Ensemble. Ils sont capables de diviser la famille. Je vais la vérité. Frère, c'est diabolique. Amen. Ah, est-ce que... Non, je ne dis pas que la maman refuse sa fille, non. Mais trop d'intimité. C'est la femme et la fille. Ils ont cherché à couper la tête de Jean-Baptiste. Tu sais, quand ils ont demandé même Hérode, Hérode était étonné. Étonné. Ah! Comment est-ce qu'ils ont dit même Hérode tourner la tête? Quelle est la tête? Surtout. Parce qu'ils savent qu'il y a la tête. S'ils prennent la tête, ils ont tout. Amen. La tête, c'est le tout, c'est le tout. Amen. Voilà pourquoi, quand vous voyez tous les unions des églises, tous les unions des musiciens, tous les unions européennes, tout ça, ça devient toujours union. C'est pour préparer la guerre d'Amagadon. Qu'un jour par le Seigneur Jésus-Christ venait nous expliquer, quand nous parlerons de la fin du monde. Amen. Comment ça se fera la guerre d'Amagadon? Après, ce sera la guerre entre le monde entier contre le Seigneur. Tout ça, nous allons expliquer. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a beaucoup de choses à dire. Nous sommes toujours dans la semaine du mariage. Amen. Soyez patients. Aujourd'hui, vous savez que nous disons souvent dans l'enseignement, Dieu peut venir donner la prédication aussi. Dieu peut nous parler d'une façon ou d'une autre. Amen. Mais nous avons toujours pour aborder une de ces choses. Il ne faut pas dire, aujourd'hui, on devait parler de la séparation. Bénissez le Seigneur Jésus. Amen. Hein? Amen. Ce que nous avons parlé aujourd'hui, Dieu a trouvé que cela était bon pour nous. Amen. Pour nous les hommes, on peut dire aujourd'hui, comme le faire la distinction, je parlais de ça, aujourd'hui je parlerai ça en ordre. Nous, c'est pas bon. Nous, on n'organise pas l'enseignement. Nous, on ne prépare pas là l'enseignement. Amen. Amen. Nous, on n'écrit pas l'enseignement sur une feuille. Mais qui une feuille sur le bâtiment? Moi, je suis mariage de mon grec. Elle dit Marion. Tu me dis herméneutiquement parlant. C'est comme des herméneutiquement parlant. Alors, tu vois le homme. En grec, baptisme. Ça, c'est pour impressionner. Amen. C'est dit quoi? C'est dit baptisme, on veut dire plonger. Maintenant, expliquez comment ça se plonge. Je ne sais pas. Je dis seulement plonger dedans. Je dis herméneutiquement parlant. Et en plus, après, ils disent un terme là plus compliqué. Vraiment, littéralement. Parce que ce mot-là est venu étymologiquement. Ce mot-là, à l'origine, est amené. Il a traduit en grec. Il venait seulement baptiche. Baptiche. Maintenant, on l'a traduit. Tout ça, c'est sur les lettres. Ça n'a rien à voir avec ce livre. Amen. C'est bien de connaître ça. Mais vous expliquer le baptême, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Nous, on n'est pas là pour ça.
veut dire, on pourrait être là, on peut dire, bon, mariage, veut dire. Mariage. Veut dire mariage. Comme dit quelqu'un, mariage, veut dire Libala. On a rien dit. Tu as dit, c'est traduit à Libala. Explique-nous le mariage, c'est quoi? Amen. Bon, le mariage veut dire Libala. Libala. Qu'est-ce que c'est? Amen. 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 Nous allons continuer.